s'est préparé, là on attend le métro pour aller se promener dans le sud de Manhattan. Et cet après-midi, du coup, on a le tour à Soho, Chinatown et Little Italy. On s'est posé dans un petit parc pour manger, on avait acheté des sushis sur le chemin et là maintenant on va aller faire le tour du coup de Soho, Little Italy et Chinatown. Petit update, Léo est en train de se faire tatouer. J'étais censée aller me faire percer les oreilles en attendant, mais au final ça coûte ultra cher, donc ça attendra d'être en France. Je marche depuis une demi-heure en rond, en cercle, en traversant toutes les rues possibles et imaginables parce que je ne sais pas où aller. J'ai trouvé un espèce de parc mais qui m'a pas l'air hyper bien fréquenté, donc je vais éviter d'y aller toute seule. Je m'ennuie, je sais pas du tout quoi faire, je voulais me poser dans un bar, sauf qu'il y a l'heure de manger pour eux. Donc je vais pas aller me poser pour manger très clairement, mais du coup je m'ennuie comme pas possible. J'ai mal aux pieds à force de marcher dans tous les sens. Petit récap d'hier soir, Léo s'est fait tatouer. Pendant ce temps-là, moi je suis allée récupérer un premier to-go. C'était une catastrophe, on a clairement eu que du pain à bagels. Et on est allé chercher ensemble un deuxième to-go et on a encore eu quasiment que du pain. Donc on est allé au supermarché après pour acheter de quoi faire des bagels nous-mêmes. On est rentré au Airbnb, on a fait les bagels et puis voilà, après on est allé se coucher. Ce matin on s'est levé un peu tôt pour pouvoir aller à la Statue de la Liberté. On a pris le premier bateau qui était à 9h. Il fait pas hyper beau, il y a un peu de brouillard, mais bon, c'est quand même sympa, il fait un peu frais. J'espère que vous allez m'écouter parce qu'il y a beaucoup de bruit, il vient de faire du coup. Cette île s'appelle Liberty Island. Avec la Statue de la Liberté. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à voir, mais vous avez des, je sais pas trop comment on appelle ça, des tours audio. Genre en gros, à l'entrée, vous avez une petite cahute, vous pouvez demander des guides audio, c'est gratuit, et ils vous expliquent en fait à chaque panneau l'histoire d'un point, enfin bref, un guide audio quoi. Et donc c'est assez intéressant. Là du coup, on vient de reprendre le ferry pour aller sur Ailey Island. J'ai hâte parce que je pense que ça va être hyper intéressant et j'espère qu'il y aura aussi des guides audio. Et puis voilà, la vue est déjà pas mal donc j'ai hâte.